Bien le bonjour. Là, pour tout de suite, je vais faire un petit vidéo supplémentaire. Dans la dernière vidéo, j'ai essayé de faire une démonstration de haut-parleur rotatif. Je n'ai pas trouvé qu'il fonctionnait bien. J'ai réessayé après, puis je ne sais pas pourquoi, mais dans cette version-là du logiciel que j'ai, ils veulent pas marcher, mais j'en ai trouvé un qui marche. De la compagnie Fender plutôt que de la compagnie Leslie. Et puis, c'est ça. Fait que donc, je vais pouvoir vous en faire une légère démonstration. Fait que je vais utiliser cette guitare-ci pour en faire la démonstration. Donc, pour cette démonstration, j'utilise une émulation d'un Fender Super Reverb. Je l'ai mis, évidemment, le plus clean que je pouvais. Je vais utiliser le micro du manche « I am going to use the neck pickup ». Maintenant, je vais l'utiliser avec les haut-parleurs normaux en premier. Et ensuite, je vais mettre le haut-parleur rotatif. Je vais maintenant changer le haut-parleur. Bon. Complètement à gauche, il y a une série de switch en bon québécois. Il y en a une pour le mettre en fonction ou pas, on off. Fast, slow, c'est la vitesse de rotation du haut-parleur. Et mono, stéréo, c'est en réalité, je vais le mettre à mono parce que vu qu'on l'écoute pas avec des écouteurs, ça donne rien que c'est stéréo. Hein? On n'entendra pas plus. Donc, on va commencer par slow. Je vais maintenant le mettre à rapide. Je rappelle que, je ne sais pas si je n'en avais parlé, le haut-parleur dans ce cabinet-là, c'est un haut-parleur de 10 pouces ou 25 cm, contrairement à ceux-là de Leslie, qui étaient des 12 pouces ou 30,5 cm. Voilà, c'est pareil. Je vais le mettre à slow, le remettre à slow. «
le mettre à la stéréo, ouais. Je le remets à mono. Je le remets à stéréo. C'est ça, ça atténue un petit peu l'effet quand c'est en stéréo, vu qu'on n'a pas des écouteurs sur la tête. Hein? Je vais aller mettre la rapide. Bon, je vais faire la même affaire. Stéréo. Même à rapide, ça fait le même effet. L'effet de... Ça atténue l'effet à travers les haut-parleurs. Dans les écouteurs, ça change de quoi, mais dans les haut-parleurs, c'est pas pour le mieux. Je vais maintenant, tout en restant sur le micro du manche, je vais maintenant actionner mon Overdrive GoopTech Horsey. Bon, pense bien que j'ai fait une bonne démonstration d'un haut-parleur rotatif. Il ne reste plus qu'à dire le mot de la fin. Donc, je suis très, très content d'avoir réussi à trouver une alternative pour démontrer les haut-parleurs rotatifs. Dans celui-là, il n'y a pas la trompette, les trompettes rotatives qu'il y a dans les vrais Leslie. Mais je n'ai pas pu faire la démonstration des vrais Leslie, fait que... Bon, là-dessus, ne soyez pas gênés, hein, si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser,
Gênez-vous pas, vous pouvez toujours les poser, je réponds à toutes les questions. Le plus vite possible. Le premier vidéo que j'ai sorti sur cette chaîne, c'est une vidéo d'explication de toute la chaîne. Si vous voulez des explications sur tout, parce que là, il se passe comme... Présentement, c'est je joue avec le logiciel IK Multimédia Amplitude 5, mais il y a aussi toutes mes démos là-dessus, et l'explication de mes démos, l'explication de où est-ce que je m'en vais, où est-ce que j'avais l'intention, en tout cas, de m'en aller avec ma chaîne à l'origine. Il y a bel et bien une vidéo explicative de ça à l'origine. Don't be shy and you can post some comments or some questions in English. Don't worry, I will answer. I always answer. Usually it's in a very short time. I don't remember what I was doing. Yes, I have a little video, a little presentation video. At the very beginning of this channel, in which I explain what is happening on this channel, where I was going with that with this channel. So if you want to have more explanation about what is happening on this channel, I will try to put the link in the description down below. Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder ce vidéo et je vous invite cordialement à venir, à continuer à regarder les vidéos à apparaître sur cette chaîne.